Bonjour les enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois de septembre. Mais avant toute chose, maintenant que vous connaissez la chanson, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis merci si cela est déjà fait, je vous encourage vivement à le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez aller visionner les guidances panorama, je vais vous mettre un lien ici. Ce sont des projections sur les 6 derniers mois de 2021, de juillet à décembre. Allez visionner les guidances du mois de septembre, signe par signe, je vais vous mettre le lien ici. Elles sont en ligne depuis quelques jours. Et puis si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, en barre de description, vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre. Ou je vais vous mettre un lien ici qui vous emmène vers une page de réservation pour choisir la date et l'heure de votre guidance avec moi. Petit rappel aussi, dites-vous que ce sont des guidances générales. Évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne. Ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire ou de votre Vénus si vous connaissez votre thème. Et dites-vous que le temps est flexible. Ce dont je parle, vous pouvez le vivre au mois de septembre, au-delà du mois de septembre où vous l'avez déjà vécu. Voilà, alors à tout de suite, signe par signe. Alors, les béliers, que vous réserve votre mois de septembre au niveau sentimental? Restez bien jusqu'à la fin, les béliers, je vais faire décan par décan. Qu'en est-il de votre mois de septembre? Écoutez, vous ne pouvez pas mieux rêver comme carte, porte vers l'amour. Si vous êtes célibataire, vous ouvrez de nouveau votre cœur. L'amour s'invite dans votre vie. Si vous êtes en couple, là, il y a vraiment voilà, des solutions qui sont trouvées. Si ces derniers temps, il y a eu des choses qui étaient bloquantes au niveau sentimental, on voit que vous êtes dans ce donner-recevoir, dans cette générosité, dans cette envie que l'amour soit au centre de votre mois de septembre, soit une priorité. Et vous avez vraiment envie de vous ouvrir avec cette cage. On ouvre les portes, on ouvre son cœur, on est prêt. Il y a vraiment quelque chose de léger, je sens pour vous, là, les béliers au niveau sentimental. Magnifique. Alors, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire de plus? Oui, c'est le bonheur à la maison. Ça nous parle aussi de stabilité. Il y a les choses qui se fixent, on construit des choses durables. Mais voilà, il y a peut-être pour certains l'idée d'emménager ensemble ou l'amour s'invite à la maison. Hein. C'est ça que je ressens, hein, là, les béliers. Hein. L'amour s'invite à la maison. Allez, on y va. Quel est votre état d'esprit au mois de septembre? L'état d'esprit de l'autre personne? À quoi vous aspirez? À quoi aspire l'autre? Quelle est la dynamique de votre relation, là, les béliers? Et l'énergie en fin de mois au niveau sentimental? Alors, votre état d'esprit, magnifique, le 2 de bâton, vous avez envie de vous projeter, de sortir de votre zone de confort, hein, on le voit, hein, si vous êtes célibataire, que ça fait longtemps, vous êtes enfin prêt à vous dire pourquoi pas. Il y a vraiment l'idée d'évasion, vous voyez, on voit une map monde, un minibus, peut-être une envie de voyage, l'envie de bouger, en tout cas envie que les choses bougent, envie que voilà d'ouvrir de nouveau votre cœur à l'amour et de vous laisser porter. Hein. Si vous êtes en couple, voilà, vous avez peut-être envie des projets, de voyage pour justement avoir un moment d'intimité avec votre hôte, mais on voit qu'il y a vraiment, peut-être pour certains, l'envie de vie en commune. Hein. Quand je vois cette maison, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas à l'ordre du jour, mais là, vous allez peut-être pouvoir en parler, de vous dire, vous proposer d'aller vivre sous le même toit. L'état d'esprit de l'autre personne, l'énergie du pendu. Chez votre hôte, il y a une idée peut-être de prendre de la hauteur, de lâcher prise, et surtout ce que je ressens, c'est de se laisser porter. On sent qu'il y a vraiment l'idée de ne pas vouloir lutter et de se laisser porter par ce qui est là, par ce qui vient. Vraiment mettre de la hauteur, de la distance vis-à-vis de, peut-être aussi de situations qui ont été difficiles, mais une envie de... Vous voyez, on voit cette maison, cette porte vers l'amour. Donc, c'est votre hôte. Je sens qu'il y a vraiment l'idée de se laisser porter par l'amour. Hein. Il y a vraiment une idée comme ça pour vous, les béliers. Alors, à quoi vous aspirez? À un nouveau départ avec l'As de Pentacle, à des choses très, très concrètes. Une nouvelle façon de vous investir dans la relation. Peut-être d'investir, justement, comme je vous disais, dans un achat immobilier. On le voit. Hein. C'est peut-être, comme je vous disais, très certainement pour certains, d'emménager ensemble, de déménager. Enfin, on voit que vous plantez des graines et c'est vraiment quelque chose auquel vous aspirez.
C'est la carte numéro 1, donc derrière il y a toute la série des pentacles qui laisse présager quelque chose d'abondant, de foisonnant, de quelque chose de stable, quelque chose qui dure dans le temps. Et c'est quelque chose que vous avez envie, alors vous avez vraiment envie de vous investir, que vous soyez célibataire ou en couple, dans du long terme avec votre autre. À quoi aspire votre autre? Magnifique, le 6 de bâton, à ce que vous le remarquiez, à ce que vous la remarquiez, hein, vous le genrez à ce que vous vivez, mais il y a vraiment une idée de vouloir réussir sa vie de couple, que cette vie de couple soit couronnée de succès, où il y a vraiment beaucoup de charisme, de rayonnement pour moi. Hein. C'est vraiment, je sens, c'est vraiment l'idée de réussir sa vie de famille, d'avoir cette stabilité, on le voit avec la maison, l'idée de construire pour du long terme. Hein. La dynamique de votre relation magnifique, le 9 de Pentacle. C'est vraiment ça, hein. Vous voyez, comme je le disais, on part d'un as, on arrive au 9. Donc la dynamique, c'est vraiment pour voir une belle réalisation très concrète dans la matière, une idée de... un cocon, de faire fructifier cet amour, de faire fructifier son petit nid d'amour et d'évoluer ensemble dans cette relation. Il y a vraiment beaucoup d'actions qui sont mises avec ce 9 de Pentacle au service d'une relation qu'on a envie d'entretenir, qu'on a envie d'être foisonnante, qu'on a envie de privilégier, de quelque chose qui nous rend un sentiment de sécurité, comme je sens vraiment l'idée de construire un petit nid d'amour, hein, les béliers. Et l'énergie qu'elle a à la fin du mois, écoutez, magnifique, hein, c'est super comme tirage. Le soleil, ça nous parle vraiment, pour moi, c'est le bonheur à la maison, c'est l'épanouissement, il y a vraiment les choses qui s'éclairent si vous êtes passé par des difficultés. Là, il y a vraiment d'être vraiment dans beaucoup de joie et beaucoup de lumière pour vous, les béliers. C'est super. Hein. Allez, on va demander un message supplémentaire que vous auriez besoin d'entendre. Réussite, écoutez, hein, pareil, là on voit un beau soleil, bel épanouissement, votre vie sentimentale au mois de septembre est source de réussite, les béliers, il y a vraiment, vous plantez des graines pour du long terme, des choses stables, durables, ouais, premier décan. Voyez, un nouveau départ, beaucoup de passion, beaucoup de fougue si vous êtes célibataire, même si vous êtes en couple. Hein, l'as de bâton nous parle d'une la libido. Donc il y a vraiment un nouveau départ, un regain au niveau d'une énergie charnelle, hein, pour certains. Le deuxième décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Oui, les choses s'accélèrent, ça se précipite, hein, comme je vous disais, vous allez avoir envie de vous investir, de mettre tout en route en ce sens. Il se peut que pour certaines personnes, le 8 de bâton nous parle d'un coup de foudre, donc ça vient les béliers. Et le troisième décan, le magicien, la carte numéro 1, il y a des nouveaux départs. Le magicien, il est dans la loi de la résonance, dont ce, quoi, vous vibrez, vous le manifestez. Et là, vous vibrez l'amour, vous êtes prêt à vous investir, à vous installer avec quelqu'un, à vous engager pour du long terme. Et le troisième décan, c'est là avec ce magicien. Écoutez, vous avez un tirage juste super. Dites-moi comment celui-ci résonne. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.